Bonjour à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pu faire les soldes de cet hiver 2020 et j'ai vraiment fait de superbes trouvailles. Alors, je vais commencer ce bilan soldes par trois jeux Xbox One que j'ai trouvé chez Micromania. Il y a de super prix chez Micromania, ils commencent d'ailleurs souvent un petit peu avant. Donc j'ai c'est une version, donc c'est une exclusivité pour la Xbox One, c'est Crackdown 3 que j'ai eu pour 5 €. Il paraît que c'est pas un jeu fameux, bon, à tester. Le Rage 2 que j'ai eu aussi pour 5 €. Et enfin, The Sinking City, celui-là il a l'air vraiment super sympa. Je sais pas si c'est plutôt un Resident Evil, puisque ça a l'air d'être vraiment un jeu un petit peu dans l'ambiance horreur, enquête. Donc ça a l'air très très intéressant, surtout que j'aime beaucoup les jeux de survival horror. Donc à tester, hâte de tester. Donc trois jeux chez Micromania, et celui-ci il était à 10 €, donc de superbes prix chez Micromania. J'ai fait d'autres commandes aussi sur internet et je les attends chez Micromania. J'ai aussi pu faire de belles trouvailles chez Cultura, vraiment de superbes prix, souvent moins 70, moins 90%. Donc il y a eu deux jeux 3DS. Donc le, alors comment ça s'appelle ça, le Dillon's Dead Head Breakers, pour la somme de 3 €. Donc ça c'est vraiment un tout petit prix, pourquoi pas, c'est l'air d'être un jeu de course à tester. Ouais, ça a l'air plutôt sympathique. Et on ne le présente plus, c'est le Pikmin sur 3DS pour, ça fait à peu près 10 €, hein, je crois. Ça change un petit peu des Pikmin traditionnels comme on pouvait les découvrir sur Wii et sur GameCube. Hein. Il a l'air d'être plutôt en vue type plateforme, vue horizontale, donc pourquoi pas à découvrir. Très sympa pour des tout petits prix. Alors j'ai pu mettre la main aussi sur des jeux Xbox One, pas mal de jeux Xbox One aussi. Le La Terre du Milieu, l'ombre de guerre, donc ça c'est de l'ombre de la guerre, pardon. Pour la somme de 5 €, donc vraiment très très sympa. J'aime bien les jeux Les Seigneurs des Anneaux, donc ça c'est vraiment cool, hâte de le tester aussi. Alors je vais mettre ça, faire un petit peu de place, et je vais mettre le 3DS ici. Le Halo Wars 2. Pour la somme de 2 €, vraiment un super prix, moins 90%, c'est juste incroyable de trouver des jeux à moins 90%. Cette fois-ci, c'est un jeu de stratégie, Halo en version stratégie, ça c'est l'air plutôt sympathique. Exclusivité sur Xbox One, d'ailleurs comme le Halo Wars, le Super Lucky's Tale que j'ai eu donc pour à peu près 3-4 €. Donc ça c'est un jeu de plateforme tout simplement à la Crash Bandicoot, on peut dire, qui a l'air très très sympathique aussi. Les graphismes sont très jolis et plein de jeux PS4, et un qui me fait super plaisir qui est le Lost Sphere, qui est un RPG incroyable, de le trouver à moins 90%. Ça fait aux alentours, ouais, 3,50 €. Ça, ça a l'air vraiment super sympa. Regardez-moi le character design de ce jeu. Donc ça, ça a l'air vraiment être une pépite sur cette console. Je vais mettre ça ici, hop, et les 3DS là. Le Blackguards 2, lui aussi pour 5 €. Tout petit prix. Je sais pas du tout ce que c'est. À tester, hein, pourquoi pas. Celui-là, il pas très très bon je pense, mais à voir quand même. Le Helix pour 1,50 €, un tout petit prix, vraiment chez Cultura, 90% sur la majorité des jeux, c'était assez dingue. Le Styx Shard of Darkness pour 5 €, le Metal Gear Solid Survie pour 3 €, et enfin le Final Fantasy Dissidia pour 5 €, vraiment de superbes trouvailles chez Cultura. Et enfin je vais terminer ces soldes, enfin cette première partie de soldes, parce que je pense qu'il y aura peut-être d'autres soldes, enfin d'autres baisses de prix durant les 4 semaines, puisque maintenant c'est réduit à 4 semaines. Donc j'ai pu faire aussi un Carrefour et là j'ai pu trouver de très bonnes choses. Je vais commencer par vous présenter les 3 jeux 3DS que j'ai pu avoir, donc le
WarioWare Gold à 9 €, hein, c'est un party game. Enfin, on fait des, oui, des petits jeux avec Wario, très très sympathique, plutôt ludique. Évidemment, le Luigi's Mansion, alors on va plus le présenter, hein, puisqu'il y a eu l'épisode 3. D'ailleurs, il y avait la quantité, tiens, c'est marrant. Ça devait être le dernier, celui-là, ouais, peut-être. Donc il y a eu le dernier, le 3, hein, sur Switch, d'ailleurs, que je viens de terminer, qui est excellent, surtout avec la possibilité de jouer à deux, ça c'est juste dingue. Et alors celui-là me fait super plaisir, c'est le Metroid Samus Returns, et on a l'impression que on renoue un petit peu avec l'ambiance et la sauce Samus des années 90-95 sur Super Nintendo et sur NES, donc ça c'est vraiment cool. Hâte aussi de le découvrir pour 10 €, des excellents prix, hein, chez Cultura et chez Carrefour. Après, deux jeux Lego, ça j'aime beaucoup les jeux Lego, il y en a pas mal, sur Xbox One, le Lego Jurassic World à 5 €, un excellent prix, et le Harry Potter, collection, l'année de 1 à 4 et de 5 à 7, ça aussi c'est vraiment de super jeux très très sympas à jouer. Et enfin, je vais garder pour moi, la meilleure affaire de ces soldes, de ces débuts de soldes, qui est un jeu PS4. Je suis juste super content de mettre la main dessus. Mais tous ces jeux-là sont vraiment excellents. Le Resident Evil 6. Et c'est le pack qui comprend toutes les cartes et contenus téléchargeables multijoueurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour 5 €, qui est un excellent prix. Le Dragon Quest 11. J'aime beaucoup ce style de jeu à la Hyrule Warrior. D'ailleurs, j'avais fait le précédent qui était vraiment très 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 bon. Donc ça, ça fait super plaisir de le trouver à 10 €. Le Shadow of the Tomb Raider, ça aussi c'est vraiment cool. Tomb Raider, c'est vraiment une référence, hein, du jeu d'aventure action très très sympa. Un jeu de rôle que j'avais rentré sur Switch pour 20 €, maintenant je le trouve à 8 €, un excellent prix sur PS4. En plus, visiblement, c'est l'édition bonus, donc il y a pas mal de choses. C'est The Banner Saga Trilogy, qui est un RPG qui a l'air plutôt très sympa. Le Sonic Force à 7 €, donc il inclut les 4 cartes illustrations obtenues dans le jeu. Donc Sonic, c'est vraiment... ça dépend, il peut y avoir des très bons Sonic et des moins bons. Alors celui-là, je suis super content. Le Secret of Mana, j'étais un grand fan de ce jeu. Je l'ai découvert dès sa sortie sur Super Nintendo. J'ai passé des heures dessus. Et de le retrouver sur PS4, la version remake, tout en 3D, ça me fait super plaisir. À un excellent prix de 10 €. Et enfin, pour moi, la meilleure affaire de ces soldes, pour l'instant, même si le prix est un peu plus cher que les autres, c'est le Nier Automata édition Game of the Yora. Alors ça, c'est juste super cool pour 15 €. Je vous le conseille, c'est vraiment un excellent jeu d'action aventure RPG, vraiment génial, avec des musiques dingue. Voilà les bilans, je suis super content pour ces soldes 2020, hiver 2020. D'ailleurs, je ferai une deuxième vidéo sur tout ce qui est parti, on va dire, plus goodies, figurines et cartes de collection. Pour ces soldes, j'ai dissocié la partie jeux vidéo et la partie cartes, collection, figurines. Voilà, en tous les cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.